Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasmaille, on est parti pour une vidéo découverte de Nano Asso Neo sur Wii U comme d'hab. Donc voilà, c'est la dernière démo, encore les utilisations. Vous voyez qu'il y a 29 parce qu'avant j'avais un tout petit peu commencé, j'avais fait une minute de vidéo. Mais en fait j'ai eu un message confidentiel. Donc voilà. Alors, le jeu, nous avons jeu solo, mission et équipe. J'ai vu que ça c'est cadenassé, donc on peut pas faire le mode arcade ni le de joueur. On va faire le jeu solo. J'ai l'impression que c'est un espèce de shoot au tout début, d'après ce que j'ai vu au tout début. Ok, je crois que j'ai déjà vu des trailers sur ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui va vraiment pas m'intéresser celui-là. Une espèce de shoot, non? Ah non, on tire pas? Ah si, on tire, non? Ah, ok, c'est bizarre, on tire avec le bouton R. Enfin, le stick directionnel R, c'est bizarre. Et puis, une espèce de truc qui nous suit. Ok, et c'est tout, on bourrine, quoi? Ah, je suis touché. Je sais pas combien de vie on a. Ah si, il y a la barre de vie juste en haut. Enfin, on doit pas se faire toucher trois fois. D'après ce que je vois. Ah ok, en fait les trucs qui nous suivent c'est des c'est pour augmenter notre tir, notre efficacité au tir. Bon, voilà, le boss est vaincu, c'est incroyable, sortie ouverte. Ok, faut aller de l'autre côté. Bon, c'est pas un jeu, on l'achète pas pour ses graphismes ce jeu, ça c'est sûr. Donc faut aller de l'autre côté. Compte à rebours, d'accord, faut se grouiller. Est-ce qu'on peut avancer plus vite? J'ai pas l'impression. Voilà. Epsilon 1, cellule purifiée. D'accord, alors on purifie des cellules. On a une espèce de docteur, quoi. Collectez autant de crédits que possible tout en augmentant votre score si vous écrasez le round de bonus prend fin. Et si vous écrasez, le bonus prend fin. Et on se fait écraser comment? Parce que là, il n'y a rien. C'est un jeu à scoring, je pense. C'est assez spécial. Ah, ok. Il faut faire gaffe. En plus, il y a de la fumée, donc on voit pas grand-chose. Attention, attention! D'accord. Je pense que j'ai fait un truc tout pourri. Score final 249 200. Alors cet appareil crée une... Ok, donc on choisit des armes. Je sais pas, j'en sais rien, j'achète ça et... Des boucliers nano et quitter la boutique. Je suis pas très patient. Trilodus. C'est très spécial graphiquement, enfin. Après, je vois plus rien. Ok. Ok, j'ai rien compris. C'est tout? C'est ça la démo? Ils se foutent de ma gueule. Ok, classement ligne, mode survivor, mode arcade, 4 boss, 16 niveaux, 14 missions. Ok, la démo dure 2 minutes. Hein. C'est magnifique. Donc on va faire le mode mission, j'en sais rien. Effacer une cellule à 100%, atteignez un score de 750 000. Non, ça doit être juste les défis, quoi. L'équipe, c'est quoi ça? Ok, équipe, c'est pour nous remettre dans le menu. Attends.
Ah mais non, je suis con, c'est l'équipe, c'est ceux qui ont fait le jeu, quoi. Je pense que c'est pas une grande boîte qui a fait le jeu. Ah, ils sont moins intéressants que les deux autres démos. Cette démo est moins intéressante. J'aurais dû en fait mettre cette démo avant. Avant les autres. Ah, quoique, non, bah, je vais pas fusionner plusieurs démos. Ce sera mieux de les mettre en une vidéo. Même si cette vidéo-là va pas être très longue. Vous savez déjà ce que c'est, voilà. Ce que c'est Neo Asso, là. Enfin, voilà. J'ai l'impression que là c'est plus dur qu'avant. C'est pas une autre mission que j'ai choisie là. Les ennemis sont plus résistants. Ah, peut-être parce que j'ai une arme de merde aussi. J'ai pas eu l'évolution de l'autre arme. D'accord, il fait toucher, c'est magnifique. C'est sûr, c'est le jeu qui m'a moins intéressé dans les démos. Pense pas que. C'est pas terrible comme démo, quoi. Je pense que cette vidéo va durer très longtemps. Hein. En tout cas, c'est un shoot et moi j'aime pas trop ça, les espèces de shoot quand on est en vaisseau. Sauf les Star Fox d'ailleurs. J'avais bien aimé Star Fox, mais c'est un peu différent parce que c'est en 3D et là on est vu du dessus à moitié. Ah, la mission dure plus longtemps qu'avant. Ah, c'est au bout d'un moment, ils nous disent sortie ouverte. Je sais pas ce que c'est le ZR, je vais essayer ZR. Ah, d'accord, c'est une nouvelle arme qu'on peut utiliser pas mal de fois jusqu'à ce que la barre soit vide. Bon, on va essayer de tenir plus longtemps dans le mode bonus. Bon, c'est bizarre comment elle s'arrête la démo quand même. C'est carrément l'écran, il devient tout noir. Tu te demandes ce qui se passe. Et voilà, fin de la démo. Donc ouais, c'est... Fireflav n'avait pas tort, hein. Il y a des fois des jeux archaïques hein, sur Wii U. Voilà un jeu d'arcade. Je suis sûr qu'il est sur arcade ce jeu. Ouais bon. Très moyen. Je suis sûr que le jeu complet tu le finis en 1 heure quoi. Même pas. Oh là là, oh l'esquive. J'ai fait le freestyle. Voilà. Vous avez vu, magnifique vidéo, découverte. Incroyable quand même. Bon, attends, on va voir si quand même ça continue ou si ça fait la même chose qu'avant. Je prends ça. Ah oui, ça fait la même chose qu'avant. Bon. Merci de jouer à la version démo qui dure 3 secondes. Ah, ça présage que du bon. Hein. Surtout que je crois que c'est celui-là qui coûtait 5 €, je trouve, 10 €. Non, à peine 5 €. Il y avait énormément de trailers sur ce jeu pour la Wii U au début, au lancement de la Wii U. Super jeu qui donne envie, franchement. Moi, bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça va être une vidéo très courte par rapport à d'habitude. Donc, sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma.